Bonjour, donc une petite histoire comme nous avons l'habitude de raconter, une histoire avant le Shabbat. Eh bien, c'est une histoire vraie et qui se passe cette fois-ci au temps du Harizal, le Ari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Louria, qui vivait à Tzfat et qui est en fait une des plus grandes figures de la Kabbale de l'histoire du judaïsme. Et il est en fait, d'après les maîtres de la Kabbale, le complément ou le Gilgoul, la résurrection, si on peut dire, du Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était venu écrire le Zohar, qui était venu délivrer les secrets fantastiques des bases de la Kabbale dans son livre le Zohar, à l'époque de la destruction du Temple, un peu après la destruction du Temple. Eh bien, les maîtres nous diront que le Harizal, lui, va décrire les mêmes choses, mais vu d'en bas, vu de chez nous, les êtres humains, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était son Gilgoul précédent, avait décrit les choses telles qu'elles sont vues de Dieu, vues du ciel. Cette histoire se passe donc à Tzfat, la ville qui a rendu célèbre le Harizal, parce que le Harizal a voyagé un peu de partout dans le monde. Mais à Tzfat, donc, il est célèbre. Et là, dans cette ville, il y a des érudits, des gens qui sont extrêmement élevés dans leur niveau d'étude de la Torah, mais il y a aussi des gens très, très, très simples qui sont mus par une foi pure et belle dans le créateur du monde et dans le judaïsme, et qui sont attachés de toute leur âme à la Torah, mais qui ne savent pas étudier, qui sont extrêmement simples, extrêmement rustres dans leur vie de tous les jours. Et voilà que un de ces juifs qui vivent dans une très grande simplicité, un jour assiste à la synagogue à un cours où le rav, qui est un grand érudit, va parler du lechem apanim. Vous savez, le lechem apanim, ce sont les 12 pains de proposition qui étaient amenés dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, sur la fameuse table, ce qu'on appelle le shulchan, dans le kodesh, en face. Le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim, vous savez qu'il y avait plusieurs degrés dans le Beth Amikdash. Il y avait le grand bâtiment qui était couvert, qui était divisé en deux, avec d'un côté le Kodesh, où ne pouvait rentrer que le Kohen Gadol qui allumait ou les Kohanim. Et puis ensuite, il y avait le rideau, et derrière, il y avait le Kodesh HaKodashim, il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait y avoir accès uniquement le jour de Yom HaKippourim, et encore dans des conditions qu'on ne décrira pas aujourd'hui. Hein. Mais sur cette table, donc, qui était dans le Kodesh, il y avait une loi qui consistait à apporter une coutume, pas une coutume, c'est une loi qui consistait à apporter un commandement, qui consistait à apporter des pains, 12 pains qu'on mettait d'un Shabbat à l'autre sur cette table. Et le Rav va expliquer la grandeur, la puissance de ce commandement, toutes les répercussions spirituelles qu'avait cet acte, qui était l'acte des Kohanim d'apporter ce pain devant Dieu, dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem. Et notre homme, d'une si grande simplicité, mais d'une si belle simplicité, va écouter ce rave. Et quand il rentre chez lui, il est peiné, il est attristé, parce que le rave a dit que depuis la destruction du temple, eh ben, jamais plus, il n'y a eu ces pains de proposition. Et alors il va dire à sa femme, mais on va cuisiner, on va préparer, on va enfourner de magnifiques challot, et nous allons les apporter la veille de Shabbat au bon Dieu, comme c'est dans la mitzvah. Et alors, ils vont faire des magnifiques challot, 12 magnifiques challot, et sur un beau plateau, et ils les apportent à la synagogue. Quand tout le monde est parti le vendredi matin après la prière, il ouvre l'arche sainte, où il y a les Sifrei Torah, et il met dans l'Arche Sainte son plateau avec les 12 magnifiques challot. Et puis, bon, il s'en va, et avant de partir, il fait une prière qui déchire les cieux en demandant à Kadosh Baruch Hu d'accepter son korban, d'accepter ce sacrifice, d'accepter ses pains.
et de se délecter de ce que le rave, de ce dont le rave avait parlé lorsqu'il avait fait le cours sur les plans de proposition. Et donc il se retire et il retourne chez lui en espérant que Dieu va écouter sa prière. Et à ce moment-là, le Shamash arrive. Et il va balayer, arranger l'état, balayer la synagogue, préparer pour le Shabbat, que la synagogue soit belle pour le Shabbat. Et puis il ouvre le Echal, l'armoire où il y a les sifrets Kodesh pour mettre les rouleaux de la loi en place. Et puis il voit le plateau avec les 12 pains. Il se dit, mais qui c'est qui a apporté ces pains ici? Alors il s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qui sait que je suis pauvre. Et qui veut que qui m'offre ses pains. Alors il a été content, il a pris ses pains et il les a ramenés chez lui et il a mangé ses pains pour Shabbat. Et puis le samedi matin, le Shabbat, tout le monde va à la synagogue, y compris notre homme qui avait apporté les pains, et il attend avec impatience le moment où on va ouvrir les rouleaux, l'Arche Sainte, pour prendre les sifrei Torah et lire la Torah. Et quand on ouvre l'Arche Sainte, il voit que le plateau a disparu, il n'y a plus les pains. Et alors il est rempli de joie, il se dit, ça y est, le bon Dieu a accepté mon sacrifice. Et tous les Shabbats, il va faire cette chose-là. Vendredi, quand tout le monde est parti après la prière de Shacharit du matin, il apporte ces magnifiques 12 pains qu'il a préparés toute la nuit avec sa femme. Et ça sent bon le pain de Shabbat, il les met dans l'Arche Sainte, il ferme l'Arche Sainte, il s'en va en faisant une prière à Dieu, que Dieu lui prenne ses pains, et voilà que à ce moment-là, une fois qu'il s'en va, le Shamash arrive, il commence à balayer, à ranger les tables, il ouvre l'Arche Sainte, et à nouveau il retrouve les pains, et ce phénomène, cette histoire se reproduit de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, et le Shamash se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui c'est qui m'apporte les pains? C'est merveilleux ça d'avoir du pain tout frais pour Shabbat et le vendredi. Quelqu'un qui veut me rajouter à mon salaire. Et alors il s'adresse au Rav et il lui dit, voilà ce qui se passe tous les vendredis, il y a quelqu'un qui m'apporte du pain. Alors il se dit, qui c'est qui peut apporter du pain? Mais pourquoi il me le dit pas? Et le Rav se dit, bon, je vais me cacher, je vais voir, je vais épier ce qui se passe. Et effectivement, il va étudier dans un coin de la Beth Knesset où on ne le voit pas. Et le vendredi matin, donc après la prière, le Rav est en train d'étudier et il voit notre homme simple avec son plat et ses 12 pains apportés, arriver devant le Echal. Il ouvre donc l'armoire royale des Sifrei Kodesh, le Echal à Kodesh, il met le pain et il referme. Et le Rav a compris, c'est ce pauvre homme-là qui vient mettre les pains. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, j'accomplis ce qui a écrit, le devoir, le commandement d'apporter l'Echem Apanim, les pains de proposition à Kadosh Baruch Hu tous les vendredis. Alors il lui dit, mais tu te rends compte du Chilul Hashem, de la profanation du nom de Dieu que tu viens de commettre? Mais c'est absolument abominable, c'est de la Avodah Zarah, c'est de l'idolâtrie. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus le droit de faire cette chose-là. Midi, alors le pauvre homme se tourne vers lui, il lui dit, mais Rav, le bon Dieu, il me les prend, il me les mange. Et alors il éclate de rire, il éclate de rire. Et il lui dit, mais mon pauvre homme, c'est le Shamash qui vient tous les vendredis ouvrir après avoir balayé, arrangé les tables et mis les nappes propres pour le Shabbat. Il ouvre pour mettre les rouleaux de la loi en place et puis il voit les pains et il les mange à la maison. C'est pas le bon Dieu qui te prend tes pains, mais tu es complètement stupide. Mais normalement, non seulement tu es stupide, mais tu fais une profanation du nom de Dieu. Quoi, le bon Dieu s'abaisserait à venir manger des pains? Et voilà que notre pauvre homme est déchiré. Il repart le cœur contrit et en larmes à sa maison. Motsaï Shabbat, le Arizal, Rabbi et Yitzhak Luria, va convoquer le Rav et va lui dire, il faut que tu
prépare ton testament, parce que ce que tu viens de faire est très grave. Sache que depuis la destruction du temple, jamais le bon Dieu n'avait eu autant de plaisir et autant de joie que de voir cet homme simple, d'une foi si pure, apporter les pains tout en s'étant trompé sur l'interprétation de ce qu'avait dit le Rav. Ce que tu as fait a causé un décret dans le ciel et il faut que tu te prépares à mourir. Et le Rav a compris. Il a fait tchouva. Il est parti à sa maison, il a fait son testament et quelques temps après, il a quitté ce monde pour aller dans le monde futur. Et c'est l'histoire de la simplicité de la foi juive qui est vécue et véhiculée par des gens parfois extrêmement ignorants, mais est d'une foi extrêmement puissante, belle et pure. Et ce qu'avait compris le Harizal, tel que ça a été véhiculé ensuite par les maîtres de la Kabbale et de la Chassidut, notamment le Baal Shem Tov, eh bien cette simplicité vient refléter la simplicité du Créateur lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu aime tant ces gens simples qui expriment leur judaïsme d'une foi pure et simple, sans se poser de questions, et qu'ils déversent leur amour avec tellement d'ardeur. Ça a une valeur inestimable, et parce qu'elle est le reflet de la vérité profonde de l'essence de Dieu. Cette essence de Dieu que nous aurons tous ensemble la chance de pouvoir percevoir et toucher et voir, c'est ce que nos sages nous l'ont promis, lorsque très 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 prochainement elle éclatera devant nous et lors de la venue du Mashiach et avant le début de Shabbat, si Dieu veut. Merci.